Et salut tout le monde, c'est Boriday, c'est Raph. Et Salut. on se retrouve pour la cinquième vidéo de League Master de Nakachev. On affronte l'FC Copenhague. On va regarder le classement vite fait. Donc Démon toujours en tête devant Snake et Bayern. Et nous on est quatrième à 4 points du Bayern et 4 points d'avance sur Raymond. Donc on est entre deux lignes. Il va falloir continuer à avancer pour espérer être en Ligue des Champions l'année prochaine. Finir sur une belle fin de saison parce que pour l'instant c'est pas terrible. Et donc on se retrouve juste avant le coup d'envoi. Donc à tout de suite. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. C'est parti. Et on rentre dans le vif du sujet. On le contre, l'arme fatale. Et le ballon continue de lui coller au pied. Diaby. Il glisse le ballon en profondeur. Il est à distance de tir. Ouais, mais n'importe quoi. En plus, c'est une pente. Parce qu'il savait que ça pouvait faire mal derrière. Une faute altruiste en quelque sorte. Oh le calme, c'est impressionnant. Aucun signe de nervosité, comme une lettre à la poste. Ouais, ça commence bien. Ils sont bien rentrés dans ce match et ouvrent la marque très tôt. Directement pour le gardien. Claudemir. Diaby tente sa chance, il est seul dans l'axe. Diaby. Et le bon dégagement. Longue ouverture pour trouver la faille dans la défense. On joue sur l'aile, il est servi. Tiens, est là, pas de problème. William. Une très grande ouverture. Claudemir. Antonsson. Il joue dans l'espace. La tentative. À côté. Honda là, tain. Ce gardien, il se débrouille pour ne pas marquer. C'est presque un exploit. Possible de louper des trucs comme ça. Il est servi. Ah ouais. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser l'espace pour se retourner. Ok. Cornelius. Le mec à côté, il met à 15 km. Attention à cette passe lobée. Toi, tu rêves. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. C'était une bonne passe, mais la défense. Vas-y là. Il peut y aller. Tout gauche là. Putain. 15 minutes se sont écoulées. Il cherche un coéquipier dans la profondeur.
La passe est précise. Ah d'accord. Claudemir. Il joue dans la profondeur. C'est intercepté. Enfin un peu d'air pour la défense. Mais il y a 6 mètres là. La tête, elle est magnifique. Il manque vraiment de réalisme devant le but. Il avait réussi le plus difficile, prendre le dessus sur son adversaire direct. C'est vraiment dommage. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Une petite faute là. C'est joué, loin devant. Claudemir. C'est bien fait ça. Il tente de la jouer dans l'espace. Il reçoit le ballon dans le dos de la défense. Le ballon franchit la ligne, corner. Et il marque. Et il compte maintenant 2 buts d'avance. Oh, l'opportuniste! Et quelle efficacité! C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive! Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. L'arbitre siffle une faute. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Alors ça, c'était vraiment inutile. Même pour lui, c'est un peu loin. Ça m'étonnerait qu'il la tente direct. Gueule. Tout en puissance, mais ça frôle le cadre. Cornelius. Avec ce ballon dégagé. Claudemir. Énorme occasion. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Claudemir qui écarte le jeu. Antonsson. Voilà une bonne occasion de contre. L'accélération. Voilà. En profiter. La défense peut pousser un gros ouf de soulagement. Alors là, c'est incroyable. J'aurais pourtant juré que ça allait finir dedans. Attention quand même à ces contres. Encore un quart d'heure avant la pause. Diaby. Il va frapper. Parade, super. Elle était lourde cette frappe, ça s'est joué à rien. Il va falloir être précis. Dégagé très loin. Il tire. Et la puissance y était, mais pas la précision. Même si c'est stérile, pour l'instant, il faut tenter quelque chose. Il faut pas se décourager. C'est en tirant qu'ils ont une chance de revenir au score. Je m'en mets tant parce que le match m'énerve. Je dirais même vivement la fin, déjà. Même pas envie de commenter ce match. Comment il est pourri. Claudemir. Il est passé, c'est pas fini. Bien joué ça. Qui est le premier sur ce ballon? Le ballon est repoussé.
Oh, c'est loin du cadre. Ils sont en retard au tableau d'affichage. Ils tentent, mais de façon un peu désordonnée. C'est des pingouins aujourd'hui ou quoi qui se tient ? Benatia est bien placé. Il récupère sur le dégagement. Honda. Lichtsteiner. Raphaël. Le gardien la relâche, il peut frapper. Ça, c'est la frustration aussi. Dommage. J'ai mis toute la patate. C'était pas loin, ça, à peine quelques centimètres. Raphaël. Honda. Et il jaillit. Il y a pas faute là, mais vas-y, mais franchement, les arbitres là, ils commencent vraiment à m'énerver dans le jeu. Là. Mais allez là, et ce truc de merde là, putain, avant ça faisait jamais ça là. Tu veux que je pète le croix ou quoi? Putain. Cornelius. Le bon service. Raphaël. Un long ballon dans l'espace. Une passe pourrie qui font, ça se voit qu'on perd quand même. Allez, boum! Quelle reprise de volée! Il rate le cadre. Allez, on voit bien qu'il met tout ce qu'il a dans cette frappe lanterne. Mais il y a combien de chances pour que ça rentre à cette distance? Oh, c'est ta gueule. N'importe quoi. Soule. C'est de la merde. Oh, le petit ballon piqué. Je suis de la merde, même en jouant. Tant que ça me perturbe ce match. La relance côté droit. Il glisse le ballon en profondeur. Faut que je me calme parce que sinon ça ira pas si je me calme pas. Si tu vas m'énerver, ça va être pire en pire. Neymar. T'as même sur les trucs de château là, on n'arrive même pas à conclure quoi. Il allonge Cornelius. William. Cornelius. Zila. Il tente de la jouer dans l'espace. Bon dégagement, bien joué. C'est la fin de la première période, certains joueurs ont l'air fatigués, la pause va leur faire du bien. Pour les chiettes, hein. Je ne comprends pas. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. William. Et ce ballon vers ses attaquants. Oh, pourtant la passe était parfaite. Mais quelle vista là, quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur. Si on pouvait faire 11 remplacements, je ferais 11 remplacements. Ils vont aller chercher ce but. Et pourquoi pas maintenant? La passe dans la profondeur. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense, mais c'est intercepté. Pourri l'équipe adverse, mais c'est pas possible de pas réussir à marquer. Précis que ça dans les passes. Oh là, dégage. Presse là. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Honda. Lichtsteiner. Ça joue long. Oh, la passe en profondeur. Allez là. Cornelius. Putain, de merde là, mais ton carton de merde. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. Honda.
joue dans l'espace. Attention, occasion. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Quel timing dans l'interception. Honda. Oh, mais non. Ça, c'est directement pour le gardien. Raphaël. Diaby. Ça, ça existe parfaitement ce que le jeu veut nous faire faire, voilà. Ça veut dire que en gros, il veut pas qu'on gagne. Et surtout pas on marque pas. Ça c'est clair, il veut pas qu'on marque. Honda. Quand le jeu veut faire sa biatch, bah il le fait. Hein. Pas qu'un peu. Raphaël, c'était bien fait côté droit, mais il a besoin de soutien là. Il joue dans la profondeur. La frappe. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Pour trouver la faille dans la défense. Va-t-il en profiter? Mais vas-y, mais bouge Honda là. Mais la tia, qui est bien en jambe, mais ça n'aura pas suffi. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Une très longue passe. Claudemir. Claudemir. En foot. Un long ballon dans l'espace. Il joue dans l'espace. Allez, ça peut faire mal. Oh, quel geste. Il est sur le côté. Franchement, c'est bon. Quelle inspiration. C'est une occasion. Nouveau but dans ce match. Il compte désormais 3 buts d'avance, leurs adversaires sont KO debout là. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Bon. Enfin, j'ai plus trop le choix. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Diaby, il joue dans la profondeur. Il glisse le ballon en profondeur. Ouais. C'est tout. Ouais. Ça rappelle un truc, c'est fou. Oh, si on assistait à un complet retournement de situation. Ouais. C'était une volée extraordinaire d'équilibre. Pas trop croire au Père Noël. Hein. C'est sans doute l'un des gestes les plus compliqués. Ils sont jouant bien quand on reviendra. C'est pas en tournant la merde. L'entraîneur a eu raison de le faire entrer, ça paye vite. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu, c'est fabuleux. Et s'il parvenait à revenir dans ce match? Continue à avancer, c'est bien ce qu'il fait là. Vas-y. Raphaël. Oh là là, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile.
l'interception parfaite. Y aller là. Le ballon sort en touche. Voilà, ça y est, les 15 dernières minutes de la rencontre, on y est. Il frappe au but. Oh, l'occasion en or. Oh, moi, il joue le partout, mais vont-ils réussir à marquer? La bonne intervention, attention, ce n'est pas terminé. Voyons ce que va donner ce corner. Il prend sa chance. Et le cadre se dérobe largement. En tout cas, on ne peut pas le reprocher de tenter des choses, mais bon, ça ressemble quand même à un aveu d'impuissance. Ta gueule. Lewandowski. Antonsson. Willian. Lewandowski. Allez, ça doit faire but. Oh, quelle frappe! C'était une bonne occasion, dommage. Ballon récupéré, ça peut être dangereux. Oh, la grosse occasion! Un peu d'oxygène pour sa défense. Le ballon sort en touche. Il est servi. C'est une frappe. Aucun danger pour le gardien. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces dribbles. Claudemir. Ah, chier là. C'est parfait, magnifique. Le danger est repoussé. La reprise. Oh, oh, oh. Il y a du monde dans la surface, c'est chaud sur ce corner. Et ce corner à la rémoise. Ah, va chier, putain. Il reste 5 petites minutes maintenant. Cornelius reçoit le ballon. Il peut en profiter. Encore un but. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Ouais, ouais, ouais. Il compte désormais 3 buts d'avance. Willian. Claudemir. Cornelius. Oui, il y avait bien faute. C'est son deuxième carton. Il est expulsé. Super. Willian. Mouniaïn. Y aller, c'est bien fait. Ça, il y a rien pour nous, c'est abusé. Il garde ce ballon. Allez, il y a la place pour une dernière occasion. Et ça se joue à rien.
4 grosses minutes de temps additionnel selon l'assistant. C'est joué loin devant. Attention! Oh, bonne présence du gardien! Pour trouver la faille dans la défense. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Des points précieux qui s'envolent, compteront-ils en fin de saison? En attendant, aujourd'hui, ils sont battus. Il y a eu tout dans ce match, des occasions, des duels, on s'est régalé. J'aimerais pouvoir commenter des matchs comme ça, mais tous les week-ends. Je sais pas, je sais pas si c'est passé dans ce match, mais merci d'avoir été avec nous. La défense n'y était pas et l'attaque n'y était pas. Un match à oublier, quoi. Ouais, Snake qui gagne 2-0, Bayern 1-0. Démon 5. Ultime 5-1 et Raymond 5-0. Ok, en tout gagné, super. Et Raymond qui revient à un point de nous. C'est magnifique. Restons positifs. Bon, bah, je crois qu'on va arrêter cette vidéo là. De toute façon, le classement buteur est passé. Oh, bah, super, on joue contre Démon le prochain match. Super. Donc, on se retrouve donc pour la prochaine fois. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao. Salut.